un grand merci au sponsor NordVPN, grâce à qui je vais pouvoir voir Jurassic World Dominion en 4DX. Non, trop cher. Jurassic Park 3 est un film américain sorti en juillet 2001 et troisième opus de la saga Jurassic Park, ou plutôt... Jurassic Park. Bien que j'ai acheté ça juste pour faire cette blague. Après les cartons des deux premiers opus d'un point de vue commercial... Enfin, surtout le premier. Il était normal que leur réalisateur Steven Spielberg fasse son retour derrière la caméra. Oui. Mais non. Ce troisième opus marque donc un changement de réalisateur, ce qui est rarement une bonne idée. Bon, t'extrapoles un peu, là. Donne un contre-exemple. Ben... C'est rarement une bonne idée. Et ce, même si Spielberg se voit remplacer par Joe Johnston, dont la carrière débuta en tant que directeur artistique sur des films cultes comme la trilogie originale Star Wars, les deux premières Indiana Jones, ou encore... Tu peux t'arrêter là. Howard, d'une nouvelle race de héros, dont l'absence de toute vision artistique me fait suspecter un emploi fictif. Un bien beau CV qui lui ouvrit les portes de la réalisation avec des longs-métrages qui auront marqué les enfants ayant grandi dans cette merveilleuse décennie 90, comme un certain Jumanji, que je cite... Déjà parce que je fais ce que je veux. Et parce que le personnage principal est interprété par un acteur formidable qui a marqué ma vie de cinéphile. Je me contrôle pour pas dériver. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir vu les deux premiers pour apprécier... Enfin, apprécier. Pour regarder ce troisième opus, laissez-moi tout de même planter le décor. Jurassic Park nous raconte comment un vieil homme a dépensé sans compter pour construire sur une île un zoo abritant des dinosaures, sauf qu'à la première tempête, ceux-ci s'échappent. Ça sait recréer des dinos, mais ça ne sait pas construire des clôtures solides. On va donc suivre des personnages pleins de charisme qui vont tenter de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Ah, ben X-Men 3, l'affrontement final. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Ben, le film n'est plus réalisé par Bryan Singer, et pourtant il est meilleur que... Ah ben non. Jurassic Park 3 débute par... le titre, qui se fait méchamment déchirer par un dinosaure qui, heureusement, ne possède que 3 griffes. Puis direction Isla Sorna, la plus grande île de l'archipel de la Cinco Muertes. La mort en espagnol. Une zone interdite, mais où on peut quand même faire du parapente ascensionnel. Sauf que, pas de chance pour eux, on en est à l'intro, ce qui signifie que ça doit mal tourner. Les pilotes nous l'ajoutent David Copperfield après avoir traversé le brouillard, et le monsieur en parapente décide de se poser le plus loin possible du rivage, histoire d'être sûr de ne pas être secouru. Et parce que sinon, il n'y aurait pas de film. Après quoi, on retrouve Alan Grant, le paléontologue du premier film rebaptisé ici Dinosaur Man. Dinosaur Man. J'espère qu'il y a eu un brainstorming pour trouver ce nom. Qui passe faire un petit tour chez son ex Ellie, dont la présence ne sert qu'à cocher une ligne sur le cahier des charges et à rappeler à Alan que... C'est toujours le meilleur. Et c'est une entrée fracassante dans le top des phrases les plus pourries à dire à son ex. Je le pense. Bah... Retourne avec alors. Parce que dans les faits, Alan est un quinquagénaire célibataire dont les recherches peinent à trouver des financements car elles ne suscitent plus l'intérêt du grand public. Bref, il est au bout du rouleau. C'est toujours le meilleur. Heureusement, la roue tourne finit par tourner lorsqu'un couple de milliardaires lui propose de les guider jusqu'à Isla Sorna afin de survoler l'île en échange d'un gros chèque. Mais Dinosaur Man, on l'achète pas. C'est un homme marqué à vie par le traumatisme du premier opus, un homme de valeur dans ce monde corrompu par... Il accepte. Du coup, accroche ta culotte et direction Isla Sorna avec son apprenti Billy, le couple de milliardaires et ses trois types qui serviront de repas aux dinos. À défaut de servir au scénario. Rapidement, Alan comprend que les dinos... Tout le monde s'en fout, et que le couple est en réalité à la recherche de leur enfant, celui qui faisait du parapente pendant l'intro. Une fois sur place, la madame crie dans un mégaphone histoire de bien indiquer leur présence aux dinos. Venez nous bouffer! Du coup, ils se font attaquer et l'un des trois types se fait croquer. Étonnant. Avant que l'avion ne s'écrase au beau milieu de la jungle. Étonnant. Pas de chance, le méchant dino les a suivis, découpe l'avion en deux et les picore tels des apéricubes en prenant soin de commencer par ceux qui n'auront plus d'importance dans l'intrigue. Tout ça parce qu'il est... Je t'interdis de finir ta phrase. Pilote d'avion. Heureusement, le T-Rex, dinosaure le plus puissant de l'île et icône de la saga, arrive pour un combat titanesque. Après quoi, le film fait une petite pause scénario et déballe tout ce qu'il contient. C'est-à-dire pas grand-chose. Déjà, le couple est séparé depuis quelques temps. On s'en fout. Mais surtout, ils ne sont pas milliardaires, ce qui signifie que Dinosaur Man ne touchera pas ses millions et restera un Alan Parrish. Comme il n'est pas rancunier, le groupe se remet à la recherche du petit garçon, même si dans les faits, ils survivent 8 semaines sans eau ni nourriture, au beau milieu de la jungle, avec des dinosaures. C'est foutu. Heureusement, par la toute-puissance du hasard, ils retrouvent immédiatement le parapente et le corps du petit ami de la madame, ce qui lui provoque une envie soudaine de marathon dans la jungle. Ben oui, éloigne-toi, c'est une bonne idée, tiens. Et alors que Billy s'était éloigné avant de revenir avec la tête d'un gosse qui vient de faire une grosse bêtise, le monsieur reste persuadé que son fils est encore en vie. J'en parierai ma chemise. Ouais, enfin, t'es en polo, donc tu ne prends pas trop de risques. Après bien 2 minutes de marche, le groupe tombe sur une installation où étaient créés les dinos et en profite pour la visiter tranquillement en prenant quelques photos. Leur fils n'est plus à 2 minutes près. Jusqu'à ce que la madame tombe sur un vélociraptor
Raptor jouant à cache-cache. Du coup, ça court dans tous les sens, mais pas trop vite non plus pour ne pas brusquer le caméraman, avant de s'enfuir dans la jungle. Et comme chaque rencontre avec un méchant dino se doit de finir par un mort, je vous laisse deviner à qui le tour. Ouh, je suis un monstre, j'avais deviné. Dinosaur Man est sur le point de connaître le même sort, mais comme il reste encore 45 minutes de film, il se fait sauver par un Ewok qui en réalité est le petit garçon qu'il cherche. Comme le spectateur, Alan se pose des questions sur la cohérence du scénario. Je dois t'avouer que je suis étonné que tu aies tenu seul sur cette île pendant 8 semaines. Et bien évidemment, le film n'en apporte pas la réponse. Puisqu'il ne la connaît pas. De toute façon, pas le temps de réfléchir, qu'ils entendent une sonnerie de téléphone, et en la suivant, le petit garçon retrouve enfin ses parents. Problème, le téléphone était dans la poche du pilote qui s'est fait croquer tout à l'heure, ce qui veut dire que... Coucou. Heureusement pour eux, le méchant dino n'a pas trop envie de courir, et en plus, il trouve rapidement une brèche dans la clôture. Une clôture en béton armé pulvérisée par le dino, mais celui-ci ne peut rien faire face à la résistance d'une porte fermée à double tour. Comme après chaque attaque de dino, le film se calme pendant 2 minutes, le temps de nous révéler que Billy a volé des œufs de Raptor. Au cas où vous ne l'auriez pas déjà compris. Parce que bon, plan sur les œufs, puis plan sur Billy, on a connu plus subtil. Excusez-moi. Bon, t'en fais pas, de toute façon, tu seras bientôt plus là. Comment tu spoil ? Ben non, j'ai pas dit encore qu'on le revoit à la fin. Pas faux. Bref, le groupe descend dans un canyon brumeux, et en traversant un pont, le garçon tombe sur un pteranodon qui revient de Silent Hill, et a sûrement dû croiser James, avant de se faire capturer par ce dernier. Et ça a survécu seul pendant 8 semaines, ça. Billy décide de se racheter une conscience, et utilise le parapente récupéré tout à l'heure pour venir à son secours, ce qui lui coûtera la vie. Oh non, je ne m'y attendais pas. Pendant que les autres s'échappent de la volière en bateau. La croisière s'amuse et fait face à un spectacle tellement incroyable que Alan et le petit garçon se lèvent 2 fois pour l'observer. On se lève tous pour Danette. Pourquoi j'ai écrit cette merde, moi ? Un instant contemplatif qui permet au film de se poser un peu. Pendant 30 secondes. Oui, car après un petit fondu enchaîné, la sonnerie du téléphone se fait à nouveau entendre, mais en fait, ils font face à... Je vais laisser place au professeur Malcolm. C'est vraiment un gros tas de merde. Merci Malcolm. Et une fois le téléphone retrouvé, un dinosaure pop devant eux, puis finalement s'en va. Mais merci d'être passé. Une fois de plus, le répit ne sera que de courte durée, puisqu'ils se font de nouveau attaquer par le méchant dino qui, visiblement, a vraiment décidé de les faire chier jusqu'au bout. Finalement, beaucoup de bruit et d'agitation pour pas grand-chose. Comme depuis le début. Puisque le monsieur monte au sommet d'une grue pour faire diversion, pendant que Dinosaur Man tire une fusée éclairante sur un bidon d'essence, puisqu'il suffit d'une étincelle pour allumer le feu. Le méchant dino s'enfuit en faisant tomber le monsieur dans les flammes, ce qui instaure un moment de sus... Et j'ai pas le temps de finir ma phrase, que celui-ci sort directement de l'eau. Comme il ne reste plus que 10 minutes de film, le groupe entend les vagues de l'océan et court vers la plage, mais se fait attaquer par les vélociraptors. Non mais on peut pas être tranquille 2 minutes sur cette île infestée de dinosaures ou quoi ? Après un petit câlin, la madame leur rend les œufs, mais cela ne semble pas les calmer. Heureusement, Alan est l'homme qui murmurait à l'oreille des raptors et joue de la flûte pour les distraire, ce qui provoque leur fuite. Ou alors c'est le bruit des hélicos. Non, c'est la flûte. Une fois sur la plage, l'armée débarque pour les secourir, et une fois à l'abri dans l'hélico, ils retrouvent Billy qui en fait n'était pas mort. Waouh ! Plot twist. Parce que bon, autant les 3 autres gars on s'en fout, mais on va quand même pas faire mourir Billy. Comme la madame est à nouveau sur le marché et qu'elle n'a pas envie de réinstaller Tinder, mais surtout parce que... C'est toujours le meilleur. Elle échange un regard qui vaut bien des mots avec son ex, alors que Alan remet son chapeau à la manière d'un Indiana Jones qu'il ne sera jamais. En même temps... Il n'est pas archéologue. Puis on enchaîne sur ce vol gracieux de Pteranodon s'échappant de Isla Sorna, et c'est la fin de Jurassic Park 3. Alors c'est difficile d'être objectif parce que j'aime les dinos. Et ce depuis ma plus tendre enfance où les week-ends étaient consacrés à 3 choses. La chasse de créatures afin d'obtenir ce premier diplôme qui, à mes yeux, a autant de valeur que le bac. Si ce n'est plus. Les après-midi au City Stade où personne n'osait m'affronter. En même temps, je jouais tout seul. Et enfin, regarder les documentaires sur les dinosaures que mon père m'avait enregistrés sur VHS. Des VHS aujourd'hui illisibles tant j'ai usé la bande, captivés par ces monstres disparus tels que l'indétrônable T-Rex, Mégalodon ou autre Tripotanus. Une passion qui naquit suite au visionnage d'un monument du cinéma, un certain Jurassic Park. Dès sa sortie en 1993, meilleure année de l'histoire de l'humanité, Jurassic Park aura été un succès critique retentissant, à de rares exceptions de grands spécialistes. Cette rencontre du troisième type avec les dinosaures ne nous laissera guère plus de souvenirs qu'un bref passage dans le train fantôme. Des visionnaires. Et demeure aujourd'hui l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma, et ce n'est pas Gilles Stella qui va me contredire. Puisqu'il ne doit pas regarder mes chroniques. Alors oui, il serait réducteur de dire que ce triomphe est dû au talent de quelques personnes, alors qu'il s'agit avant tout d'un travail collectif. Mais déjà, je ne peux pas citer tout le monde. Et c'est à ça que sert un générique. Et selon moi, cette réussite s'explique par le talent de 4 personnes, à commencer par celui de son réalisateur, un certain Steven Spielberg, qu'il n'est sans doute pas nécessaire de vous présenter.
s'attarder. Bah oui, pourquoi s'attarder sur de tels réals quand il existe des Paul W.S. Anderson ? Commençant au début des années 70 en tant que réalisateur sur diverses séries, notamment sur Columbo, Steven Spielberg réalise son premier long-métrage en 1973 avec le téléfilm Duel. Pourquoi ça ne peut jamais être simple ? Oui, car en réalité il s'agit du second film de Spielberg, puisqu'il réalise en 1964 Firelight, film de science-fiction diffusé une seule fois au Phoenix Little Theater. Toujours est-il que Duel lui ouvre les portes du cinéma avec Sugarland Express, un film qui marque sa première collaboration avec le compositeur John Williams, à défaut de marquer son premier grand succès. Mais celui-ci ne se fait guère attendre, puisque l'année suivante sort Les Dents de la Mer, qui près de 50 ans plus tard continue de traumatiser des millions de baigneurs avec cette peur infondée du requin mangeur d'hommes. Oui, enfin, tu m'excuseras, hein, mais ça n'a pas la gueule d'un labrador non plus. Le succès est tel qu'il lancera sa carrière internationale, rapidement enrichie par d'autres grands films tels que E.T. l'extraterrestre, La Liste de Schindler ou encore la trilogie Indiana Jones. Mais c'est plus une trilogie. Bref, je pourrais vous citer quasiment toute sa filmographie tant celle-ci est riche en œuvres marquantes et ne cesse encore aujourd'hui de s'étoffer. Mais on n'a pas le temps. Et j'ai un peu la flemme. Considéré comme l'un des plus grands représentants du nouvel Hollywood, mouvement cinématographique des années 70 sur lequel on reviendra, Steven Spielberg est un homme que j'admire pour l'ensemble de son œuvre et que j'ai eu l'immense privilège de rencontrer. Mais attends, c'est pas une statue du musée Tussaud ? Oh, c'est pas parce que t'as pas de rêve que tu dois briser ceux des autres, hein. Menteur et susceptible en plus. Au-delà de nous offrir ces plans typiques de son cinéma où plusieurs actions se succèdent et où chaque élément a son importance, ce qui est déjà bien mieux que la plupart des réalisateurs, Spielberg adapte son style en fonction de ce scénario écrit par David Cope et Michael Crichton, ce dernier adaptant librement son propre roman. Ainsi, Jurassic Park prend le temps de nous faire découvrir le parc et nous émerveille dès notre arrivée avec cette scène où Spielberg garde une échelle à hauteur d'homme afin de renforcer le gigantisme de ces monstres disparus, optant pour un plan d'ensemble uniquement pour nous éblouir davantage, porté par les compositions exceptionnelles de John Williams, preuve que certaines personnes sont nées avec du talent et d'autres que ben... Hey. Une bande-son unique qui fait de ce Jurassic Park une œuvre que j'ai pris plaisir à revoir en ciné-concert. Bah toi aussi t'y étais ? Ben oui, Escalier B. Ben moi aussi. Rang 6. Mais non. Place 18. Attends, là ça devient chelou par contre. Puis le récit prend des allures de faux documentaire ludique, nous épargnant d'interminables dialogues scientifiques, crédibilisant son univers tout en faisant naître une profonde impatience chez le spectateur, entretenant le suspense jusqu'au moment propice où tous les éléments se réunissent pour nous offrir cette scène culte. Un véritable point de rupture qui fait basculer le film vers le survival, avec ses séquences mémorables pleines de tension et basculant parfois très brièvement dans l'horrifique. Bon, c'est pas The Grudge non plus. Ça fait longtemps que j'avais pas mis d'extrait. T'étais vraiment pas obligé. On se surprend plus d'une fois à avoir peur pour les personnages, preuve que ceux-ci sont suffisamment bien écrits et interprétés pour nous faire ressentir de l'empathie, même s'il est vrai que ce ne sont pas des bijoux de complexité, mais surtout preuve supplémentaire de l'efficacité de la mise en scène où Spielberg s'amuse avec ses dinosaures qui reprennent vie grâce à la parfaite complémentarité entre les effets numériques pour les plans larges assurés par la société ILM. C'est nul tout seul. Société fondée par George Lucas en 1975 et les merveilleux animatroniques du regretté Stan Winston pour les plans les plus rapprochés. Ensemble, ils marqueront une véritable révolution dans le cinéma. Jurassic Park changed everything as far as effects. Et au même titre que la réalisation, le scénario ou la musique, apportent leur contribution à l'un des plus grands points forts du long métrage, l'immersion du spectateur dans cet univers unique qu'est Jurassic Park. Des fondations solides pourtant remplacées dans le troisième opus, car après tout, pourquoi conserver ce qui fonctionne ? Donc pas un mot sur Jurassic Park 2 ? Non. Bon, je me casse. 4 ans après la révolution Jurassic Park sort Le Monde Perdu, un opus conspué par une bonne partie des critiques de l'époque. C'est quoi le problème ? Eh bien, avec ses défauts et ses incohérences, cette suite est indéniablement en dessous de son aîné. Pourtant, je l'apprécie énormément car il y a de gros T-Rex. Il n'y a pas que ça. Oui, il y a aussi le plaisir de retrouver Jeff Goldblum, ce rythme effréné qui ne laisse aucune place à l'ennui tout en abordant des thématiques intéressantes, mais surtout cette réalisation de Spielberg qui fait encore des miracles avec de merveilleuses scènes contemplatives et de vrais moments de tension. Puis de T-Rex. Pour nous offrir des séquences aujourd'hui devenues cultes. Des séquences dont la plupart s'appuient sur les livres de Michael Crichton, là où le scénario de ce Jurassic Park 3 se base sur... Rien du tout. L'auteur ayant quitté le projet dès le début de sa conception. Ainsi, ce n'est pas un, ni deux, ni trois... Bon, t'es un peu relou là, donne le chiffre. Mais bien 9 scénaristes qui se succéderont pour seulement 3 places sur le générique, et qui durent rassembler dans un script encore incomplet lors des premières semaines de tournage toutes leurs meilleures idées. Et visiblement...
Et ils n'en ont pas eu beaucoup. Puisqu'avec ses 92 minutes logo et générique inclus, ce troisième opus dure 37 minutes de moins que Le Monde Perdu. Or, plus un film est court, moins il a le temps pour nous raconter quelque chose. Et il t'aura fallu 17 chroniques pour arriver à ce genre de conclusion ? Non, mais ça induit fatalement que le film a dû faire des concessions par rapport à ses aînés. Et cela se fait généralement soit au niveau des relations entre les personnages, soit au niveau de l'intrigue en elle-même. Mais ici, c'est fromage et dessert. Oubliez les héros attachants, oubliez les personnages secondaires marquants, oubliez le torse de Jeff Goldblum. Impossible. Jurassic Park 3 ne nous offre pas les meilleurs protagonistes de la saga, à commencer par ce couple insipide qui n'est clairement pas composé des couteaux les plus affûtés du tiroir, avec le monsieur qui n'a d'autre utilité que... J'ai pas encore trouvé. Et la madame dont les lignes de dialogue se limitent à ce genre d'intervention. Ben ! Bon, au moins, elle a pas eu de mal à apprendre son texte. Même si ce n'est pas spécialement la faute de Téa Leonia qui joue dans... Pas grand chose. Ni de William H. Macy qui nous a déjà démontré l'étendue de son talent dans des films comme Fargo, Magnolia ou encore la série Shameless. Mais plutôt celle de ce script inachevé lors du tournage, source de nombreuses tensions. Jurassic Park 3 était une expérience très pénible. C'est le seul rôle de ma carrière pour lequel je n'avais aucune matière pour construire mon personnage. C'était exaspérant. Bonne ambiance. Et pourtant, c'est bien ce personnage de Billy qui relève quelque peu le niveau grâce à l'interprétation juste d'Alexandre Nivola, ses morceaux de bravoure intéressants, et surtout sa relation avec le professeur Grant, un héros que j'étais très heureux de retrouver. Pendant deux minutes. Car malgré le charisme de Sam Neill toujours à l'aise dans son personnage, Alan Grant est ici un héros à la hauteur du reste du casting, soit un homme fade dont la seule source de motivation reste l'appât du gain, n'hésitant pas à rogner ses principes pour de l'argent. Il aurait fait un excellent directeur chez Universal. Une belle brochette de vainqueurs en pleine lutte pour leur survie que le spectateur suit sans la moindre empathie, atténuant son implication dans cette succession de péripéties sans enjeu qui se limite à des attaques de dinosaures. Bon, moi ça me suffit parce que j'adore les dinos. Oui merci, je crois qu'on a bien compris. Des attaques parfois intéressantes mais totalement interchangeables sans que cela nuise à la compréhension du scénario. Comme il n'y a pas grand chose à comprendre. Excepté dans cette dernière confrontation qui fait appel à un principe dramaturgique, le fusil de Tchekhov qui stipule « Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré au second ou au troisième acte. » Or, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la flûte est en réalité la caisse de résonance d'un raptor créée par Billy au début de film. Et ben voilà, maintenant ça ment dans les résumés. Par conséquent, ce fusil de Tchekhov est-il vraiment moins impactant que ce Deus Ex Machina du premier film ? Clairement oui. Bon d'accord, mais est-il vraiment moins impactant que cette scène d'action dans les rues de San Diego ? Clairement oui aussi. Mais malgré tout, cette fin s'appuie sur un procédé narratif, là où le reste de l'intrigue s'appuie sur... Pas grand chose. Le récit n'est finalement qu'une banale mission de sauvetage, là où Jurassic Park interrogé sur la cupidité de l'homme, sur sa soif de création destructrice, etc. Et enchaîne à un rythme effréné les péripéties librement inspirées des événements présents dans les romans de Michael Crichton, non utilisés dans les films précédents. Les fonds de tiroir, quoi. Des péripéties guère intéressantes, mais loin d'être ennuyeuses pour autant, grâce au travail de Don Davis qui succède à John Williams, ce dernier étant occupé sur une nouvelle saga qui parle d'un sorcier. Je ne lui promets pas un grand avenir. Et qui nous livre ici de belles compositions, surtout lorsqu'elles reprennent les partitions de John Williams, mais surtout grâce à la réalisation de Joe Johnston qui manie sa caméra avec aisance, propose des cadres travaillés, enchaîne les changements d'échelle et suit plusieurs actions simultanément sans perdre le spectateur, bien aidé par un montage cohérent qui garantit une parfaite lisibilité de la séquence et des dinosaures une nouvelle fois convaincants, quelle que soit l'échelle de plan. Oh, trop de compliments en si peu de temps, me sens fébrile. Après, tout n'est pas réussi dans la réalisation de Joe Johnston. Ah, je me disais aussi. Les dialogues, filmés à coups de chant contre chant, témoignent d'un manque d'idées de mise en scène qui se ressent globalement dans le long métrage, avec en prime des choix incompréhensibles pour mon petit cerveau. Alan ? C'est évident qu'il rêve. Non mais merci, je suis pas stupide non plus. Je sais bien qu'il permet de nous montrer le traumatisme de Grant, mais si le but était de faire peur... C'est loupé. Et si le but était de faire rire... C'est loupé. En plus d'un manque de subtilité, cette scène illustre le plus grand défaut de la mise en scène, le manque d'iconisation des dinosaures. Chacune de leurs apparitions se fait de manière quelconque et totalement impromptue, lorsqu'elles ne sont pas totalement inutiles, annihilant toute notion de suspense et de rareté, réduisant l'attente à son minimum pour, in fine, susciter l'indifférence et non plus cette étonnante combinaison de crainte et d'émerveillement. Une banalisation de ces créatures, d'autant plus regrettable que Joe Johnston nous prouve qu'il était capable du contraire lors de cette séquence intéressante d'un point de vue cinématographique, mais totalement fausse d'un point de vue scientifique. En effet, les pteranodons étant piscivores,
Ils se nourrissent principalement de poissons. Bah, je savais ce que ça voulait dire, piscine de bord. Ils n'avaient donc pas de dents pour déchiqueter ou broyer la chair. Des dinosaures ont rendu toujours convaincants, bien que je dois admettre que les effets spéciaux sont moins impactants que dans les précédents opus. Et pourtant, toujours assurés par ILM, société fondée par George Lucas en 1975, sans doute à cause de leur démocratisation au début de ce nouveau millénaire, même si encore perfectible pour certaines productions. Extrait choisi par pur hasard. Néanmoins, leur rendu est une fois de plus bluffant lors des plans rapprochés, faisant appel aux animatroniques de Stan Winston. Le soin apporté à l'aspect extérieur et la fluidité de leurs mouvements malgré leur complexité procure un effrayant sentiment de réalisme, accentué pour le spinosaure par ses 13 mètres de long qui en font encore à ce jour l'animatronique le plus grand jamais conçu. Et aucune scène n'illustre mieux le savoir-faire de Joe Johnston et la beauté des animatroniques que le combat entre le spinosaure et l'indétrônable T-Rex. Un combat qui aurait pu être un grand moment de cinéma. Non, quand même pas. Qui aurait pu être un grand moment de ce troisième opus, puisqu'objectivement moins abouti que certaines productions de époque, mais totalement détruite par son issue. Bon, déjà parce qu'elle est sûrement fausse d'un point de vue scientifique. En effet, le spinosaure étant piscivore, qui se nourrit de poissons, il lui aurait été impossible de terrasser un T-Rex sur son terrain de prédilection, le spinosaure étant plus à l'aise dans l'eau. Personne s'est renseigné pendant l'écriture ? Eh bien, l'équipe du film pouvait compter sur les conseils avisés. Enfin, avisés... Les conseils, quoi. De Jack Horner, un éminent paléontologue. C'est toujours le meilleur. Mais surtout, ce duel est bien plus qu'un combat de monstres. C'est la conséquence directe d'un rêve de démesure. C'est vrai qu'un T-Rex était déjà pas assez impressionnant. C'est la mise à mort volontaire de l'image de la franchise pour imposer une nouvelle vision, et vu la réaction du public, c'est un riche enseignement pour les studios. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Ah bah non, hein, ça serait vraiment dommage. Cela dit, vu la production chaotique assurée par Kathleen Kennedy, que l'on connaît davantage aujourd'hui comme présidente de Lucasfilm et donc garante de la bonne direction de la dernière trilogie Star Wars... Ah ok, d'accord, bah tout s'explique quoi. Le script écrit au jour le jour ou encore la mauvaise ambiance sur le plateau, c'est en soi un petit miracle que Jurassic Park 3 soit... Regardable. Mais est-ce que cette production chaotique rend le film meilleur ? Et puis quoi encore ? Par exemple, cette photo de coucher de soleil, elle est carrément loupée. Oui, bah je l'ai faite avec les yeux bandés aussi. D'accord, mais c'est quand même une belle photo de merde. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis là. En même temps, quelle idée de prendre une photo les yeux bandés ? En même temps, quelle idée de commencer un tournage sans scénario ? Eh bien justement, c'est une excellente question, et quelle qu'en soit la réponse, celle-ci n'a aucun impact sur la valeur du métrage. Bref, toute cette analyse pour vous dire que Jurassic Park 3, c'est comme un film avec Stallone. Je n'arrive pas à le détester. Que ce soit King Kong, L'Âge de Glace 3, Toy Story... Ça compte pas vraiment Toy Story. Bon bah, tant pis. Et même Carnosaur... Ce qui prouve mon absence... Total d'objectivité. Donc t'as aussi aimé sa suite. Même ma mauvaise foi a ses limites. Ainsi, malgré ses indéniables défauts d'autant plus flagrants à la lumière de ses prédécesseurs et de leur budget, surtout si on le rapporte à la minute, Jurassic Park 3 possède suffisamment de qualité pour me divertir à chaque visionnage. Et par suffisamment, je parle des dinos. C'est un film rongé par ses ambitions et le poids de cette saga qu'il conclut avec guère de réussite, même d'un point de vue commercial. Néanmoins, sauvé de la catastrophe grâce au savoir-faire de certaines personnes qui, à défaut d'en faire un grand film... Ça c'est sûr, oui. On fait de ce troisième opus un divertissement plus qu'honnête qui malheureusement marque un vrai point de rupture dans la filmographie de Joe Johnston, puisqu'à l'exception de son incursion chez Marvel, ce dernier enchaîne les œuvres bien mais pas trop, enfin moyen quoi, comme Hidalgo qui déjà en 2004 n'avait pas convaincu grand monde. Chaque visionnage de ce troisième opus me remémore ses souvenirs d'une avant-première dans une salle comble alors que je n'avais que 9 ans, ce qui veut dire soit que mes parents voulaient me traumatiser, non, ils n'auraient jamais fait ça, soit j'ai un gros souci mental car je m'invente une vie. Après... Parents ou pas, on n'est jamais sûr de connaître les gens. Mais surtout, ces visionnages sont une parfaite excuse pour revoir cette trilogie. Bon, qui n'en est plus une du coup, mais bref. Cette trilogie qui aura fait naître une belle vocation durant mon enfance, et rien que pour ça, merci Jurassic Park. Vous souhaitez voir des films cultes comme La liste de Schindler de Steven Spielberg ? Steven qui ? Bon, alors plutôt l'excellent The Dark Knight dont on devrait parler plus souvent sur YouTube. Tu avais éveillé ma curiosité Là, tu captes mon attention. Eh bien, grâce à NordVPN, c'est possible, évidemment. Sinon, je vous en parlerai pas. Et pour cela, rien de plus simple qu'un clic pour vous connecter à différentes plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+. Et j'en connais pas d'autres. Vous pourrez ainsi vous connecter sur Disney+ US pour voir des films impossibles à voir en France à cause de la fameuse chronologie des médias, comme par exemple Encanto. Oh non, hein. Ne parlons pas de Bruno. Si, comme moi, vous aimez dévorer des films, ce que je suppose si vous regardez mes vidéos... Ou alors, c'est pour mon charisme. Non, c'est pour les vidéos. Eh bien, NordVPN est la solution, et ce, en toute sécurité, puisque vos données sont cryptées lors de votre navigation sur l'Internet, empêchant ainsi les virus si vous naviguez sur un site non sécurisé. Tu vas sur quel genre de site, toi ? Et cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir parmi plus de 5400 serveurs dans 60 pays. Alors ça, pour le coup, je sais pas à quoi ça sert.
Mais ça doit être bien. Si vous désirez tester NordVPN, cliquez sur le lien en description et profitez d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à NordVPN pour ce partenariat.